Et c'est parti pour la première course de cette somptueuse réunion, la réunion de l'Arc Triomphe. Et cette première course, c'est un groupe 1. C'est le Qatar Prix Marcel Boussac, le critérium des pouliches, avec Marietta, le numéro 3, qui a pris un bon départ et qui s'installe tout de suite en tête de l'épreuve, avec Plégastel, qui est en deuxième position. À son extérieur vient le numéro 5. Il s'agit de Bionic Woman avec Flighty Lady, qui est pour le moment quatrième. Albinia venant un petit peu plus loin. La favorite de l'épreuve, c'est le numéro Savarin. Elle est pour le moment au milieu du peloton, précédant le numéro 2 fait historique, alors que Nundia quitte les derniers rangs sous la selle de Christophe Soumillon, qui la laisse se rapprocher plutôt que de se battre avec elle. Et c'est Kenlova pour le moment, le numéro 7, qui ferme la marche. Marietta qui est aux commandes, avec Nunzia qui vient maintenant à son extérieur. Bionic Woman qui est en troisième position, avec l'as Plégastel qui est quatrième côté corde, qui est suivi par la favorite de la course, Savarin, Flighty Lady venant un peu plus loin, précédant Albinia, avec Fait Historique qui est en avant-dernière position, et c'est le numéro 7 Kenlova qui ferme la marche. La ligne d'arrivée à 500 mètres du but, avec Marietta qui a toujours le meilleur. Nunzia qui se retire de la course. Nous avons Bionic Woman qui est en deuxième position, avec la favorite Savarin qui vient ensuite côté corde. Flighty Lady qui tente de venir à l'extérieur en compagnie du numéro 9, Albinia, à 300 mètres du poteau, avec Marietta qui a l'avantage et qui se détache, semble-t-il, 2-3 longueurs d'avance. Maintenant sur l'Irlandaise, Albinia qui termine fort et qui se lance maintenant à sa poursuite, avec Marietta qui raccourcit son action mais qui a toujours l'avantage à 100 mètres du but. Albinia qui vient l'attaquer de plus en plus fort et qui prend l'ascendant, avec Albinia qui file au poteau et qui va s'imposer dans ce prix Marcel Boussac. Albinia qui s'impose, Marietta qui conserve la deuxième place au départ.